Yo tout le monde, c'est Valentin. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du bunny hopping sur CSGO, sur les serveurs qui sont faits pour le bunny, et non matchmaking ou au mieux vous en ferez 2-3 à suivre, ce qui est plutôt pourri, c'est plutôt aléatoire. À moins d'être vraiment super fort, mais bon, là, faut vraiment avoir un niveau de fou. Donc, pour le bunny, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais appuyer sur Z. Il y aura seulement besoin de 3 touches sur le clavier, donc Q et D pour faire gauche ou droite, et espace. Donc en bunny sur les serveurs, il n'y a pas besoin d'appuyer comme ça, on va rester plus sur l'espace, ça saute automatiquement. Donc pour aller à gauche par exemple, on reste appuyé, enfin on se lance avec Z, on reste appuyé sur espace et on reste appuyé sur Q et mouvement de souris vers la gauche. C'est pareil pour aller à droite, donc je me lance Z, je reste appuyé sur D et espace et mouvement de souris vers la droite. Ensuite on fera des gauche-droite pour prendre de la vitesse. Donc normalement il y a marqué combien la vitesse, oui, donc il y a marqué speed. Vous voyez, gauche, droite, pour prendre de la vitesse. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Hein. The Bunny c'est plutôt facile. Après il faut juste pratiquer pour s'améliorer. Il y a des maps pour dures comme des faciles pour commencer, si on a des difficultés. Je vais expliquer une dernière fois. Donc on se lance avec Z. Sur cette pièce sur espace, si je vais à gauche, je reste appuyé sur Q, mouvement de souris vers la gauche. Si je vais à droite, je reste appuyé sur D, mouvement de souris vers la droite. Et ainsi de suite. Pour prendre de la vitesse. Voilà. Donc ouais, là, c'est une map super courte. Hein. Donc une map très facile pour commencer. Bon, je pense que j'ai fini cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre. Voilà, c'est tout. Allez, à plus et bon jeu.